En 2022, lorsque nous évoquons l'économie du sport, nous nous référons également à une industrie au niveau mondial d'une valeur de 620 milliards de dollars. Qui a connu un taux de croissance cumulé de 41,3% en 2021. Nous faisons également référence à une industrie en Afrique qui est appelée à se développer considérablement pour les prochaines années. Quand personnellement je pense à l'économie du sport en Afrique, ce qui me vient à l'esprit sont ces éléments clés de l'économie du sport, son impact, les possibilités qu'elle offre à ce continent et ses parties prenantes qui comptent plus de 60% d'une jeunesse active. Mesdames et messieurs, chers collègues, panélistes, partenaires et audiences, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à ce webinaire organisé par l'Institut africain des sports et de la créativité et Sports Africa, au cours duquel nous allons écouter, interagir et partager avec des intervenants de renom. Nous espérons parvenir à nous mettre d'accord sur la manière dont nous pourrons ensemble travailler pour faire en sorte que le sport constitue une contribution durable au développement en Afrique. Je suis Maureen Rosita Ojong-Ebobesang, une spécialiste du sport en développement, entrepreneur et young leader de la French African Foundation. Et avant même de rêver de modérer des panels comme celui-ci, je n'étais qu'une jeune fille passionnée, amoureuse du basketball. Aujourd'hui, cette passion m'a amenée à travailler pendant les dernières années et à contribuer à plaidoyer en faveur de l'utilisation du sport comme un outil de développement. Eh bien, aujourd'hui, je modère ce webinaire et je vais vous amener vers des conversations inspirantes et engageantes sur le sujet de l'économie du sport en Afrique, en ligne avec cet ouvrage d'ailleurs, qui a récemment été publié par la African Sports and Creative Institute et Michel Desbordes, intitulé « Économie du sport en Afrique ». Ce webinaire propose diverses interventions sur l'importance de l'économie du sport en Afrique, son importance, son impact, ses défis et ses perspectives. Et sans plus tarder, j'invite M. Gérard Akindes à présenter brièvement la portée de ce webinaire et les organisations qui sont à l'origine. Merci. En gros, on a mis en place ce webinaire entre Sport Africa et ASCI. Je confonds les lettres en anglais et en français. En fait, on est dans le même champ du travail sur la recherche et le sport en Afrique. On est avec l'Institut sur des thématiques qui peuvent différer parce qu'on est plus en sciences sociales, histoire, anthropologie. On essaye de comprendre, de voir ce que le sport est sur le continent. Donc, c'est tout naturellement que collaborer sur ce webinaire a vu le jour. Et on est là, c'est le premier, on en fera bien d'autres. Donc, on est pour le sport africain, encourager, soutenir et surtout pousser l'importance de la connaissance et des savoirs par la recherche. C'est notre objectif à tous et c'est pour ça qu'on est là et on va discuter particulièrement sur l'économie du sport et l'ouvrage qui a été publié. Merci. Merci beaucoup, Gérard. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, vraiment l'importance de la collaboration que tu viens de relever, l'importance de la collaboration entre deux institutions, Sports Africa et la African Sports and Creative Institute, et aussi l'importance de la recherche qu'on va voir plus tard pendant la session. Donc, merci pour cette introduction. Mesdames et messieurs, je suis vraiment heureuse de vous présenter nos quatre panélistes, en commençant bien sûr par M. Akindes qui vient de parler. Donc, M. Gérard Akindes combine une riche expérience dans le domaine du sport, acquise en tant que basketteur, d'abord un passionné d'ailleurs, un assistant manager d'une entreprise de vêtements de sport, entraîneur et chercheur. En tant que sportive, il a été capitaine de l'équipe nationale de basketball du Bénin, un pays qui est en pleine évolution dans le sport, et a joué dans le championnat togolais et a joué au basketball semi-professionnel en Côte d'Ivoire
pays qui accueille les prochains, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a entraîné l'équipe d'Union féminine Warrick-Nonne en Belgique, où il a aussi entraîné de nombreux joueurs basketteurs en club et dans de nombreux camps. Merci Gérard d'être ici aujourd'hui. Nous avons aussi Mademoiselle Samra Mousseba, une jeune dame charmante, intelligente et brillante. Elle est consultante sport et développement avec l'Agence française de développement. Elle est passionnée de sport depuis toujours et ancienne joueuse de basket, une vraie championne d'ailleurs. Elle œuvre aujourd'hui pour le développement et la professionnalisation du secteur sportif à travers le monde. Et avant de rejoindre l'AFD, elle a évolué plusieurs années dans les sociétés de conseil et en stratégie à Londres, dans les domaines de l'infrastructure et du sport auprès des groupes spécialisés comme ARUP et Portas Consulting. Samra est diplômée de Sciences Po Paris et de la London School of Economics avec un master en économie et développement urbain. Et elle a pratiqué le basketball au haut niveau et elle est deux fois vice-championne de France. Bonjour Samra, je suis contente de te voir. Bonjour Maureen, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aussi Monsieur Mohsen Abdel Fattah, directeur général de la African Sports and Creative Institute, co-organisateur de ce webinaire et co-auteur du livre « Économie du sport en Afrique ». Et il est aussi Business Development Director au CEDEP. Mohsen est un franco-égyptien diplômé d'un master de finance de l'ICIP Paris. Il a évolué pendant 15 ans dans le secteur de l'intelligence économique et du conseil ESG en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a accompagné des dirigeants financiers et des investisseurs institutionnels souhaitant évaluer l'impact des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la performance de leur entreprise et leur portefeuille. Bonjour, Mohsen. Bonjour, Maureen. Bonjour à tous et à toutes. Et last but not least, Monsieur Martial Z. Bellinga, mon compatriote. Martial est économiste, sociologue de formation et il poursuit différents projets pluridisciplinaires d'experts pour des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'OIF et l'UMOA. Il est chercheur indépendant et l'auteur de différents ouvrages et aussi co-auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire et culture de l'économie africaine. Il est aussi président du comité scientifique de premier colloque international. Merci, Martial, d'être ici aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et avec ce charmant public que je ressens déjà de loin. Merci Martial. Nous avons aujourd'hui vraiment un panel intéressant avec divers profils. Et comme nous avons mentionné précédemment, ce webinaire est l'occasion pour vous aussi, l'audience, de découvrir le livre récemment publié sur l'économie du sport en Afrique. Ce livre d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu quand je l'ai montré au tout début. J'aimerais appeler, permettez-moi de faire appel au directeur de l'African Sports and Cultural Institute, Monsieur Mohsen, qui nous parlera du livre qui a été, de ce livre d'ailleurs, qui a été officiellement lancé à l'ambassade de France au Cameroun en février 2022. Donc, over to you, Mo. Merci beaucoup, Maureen. C'est un plaisir vraiment pour moi de vous présenter ce livre, qui vraiment constitue pour nous le début d'un chemin pour vraiment mettre en valeur cette opportunité de développement de l'Afrique par le biais du sport. Et ce que j'espère, après cette petite présentation de 5 minutes et la conversation qui va suivre, c'est vous donner envie tout simplement d'en savoir plus et de vous engager avec vos différentes compétences pour capitaliser sur cette opportunité. Donc, je m'appelle Mohsen Abdel Fattah, je dirige l'African Sports and Creative Institute. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu notre activité et vous donner des éléments clés sur le livre. Alors, un petit peu de contexte sur l'économie du sport. C'est un secteur qui pèse 3% du PIB mondial. D'accord ? Donc, 3% du PIB mondial, et c'est un secteur qui croît à 4%
tous les ans depuis 20 ans, donc de 2000 à 2020, ce qui est vraiment une croissance forte. Par contre, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Afrique, la part de l'Afrique, il y a très peu de données et le seul chiffre, on va dire, solide est celui de 0,5% du PIB africain. Donc 3% du PIB mondial, seulement 0,5% du PIB africain. Et du coup, on peut se poser la question, ben, comment capitaliser, comment faire de cette opportunité vraiment un axe de croissance pour l'Afrique. Et notre travail avec l'ASCI, ben, c'est justement de faire de l'écosystème du sport et des arts créatifs des contributeurs au développement du continent. Et nous avons trois activités. La première, la recherche, comme le disait tout à l'heure Gérard, pour nous donner plus de compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite, nous accompagnons les acteurs publics et privés pour lancer des initiatives d'impact. Et enfin, le plaidoyer, c'est-à-dire mettre en valeur ben, les acteurs comme vous qui faites des choses superbes sur le terrain et faire en sorte que vous puissiez, on va dire, porter votre message. Alors, le livre aujourd'hui, il suit pour nous trois études que nous avons publiées l'année dernière, qui étaient les études de terrain, où nous avons interviewé plus de 500 acteurs du sport en Afrique. Et voilà le livre donc, que vous a montré Maureen il y a un instant. Et ce livre, si vous voulez, a trois grands objectifs. Un, montrer comment le sport peut aider à résoudre les grands défis africains, qu'ils soient économiques, sociaux, aussi environnementaux. Deuxièmement, faire un état des lieux. Et troisièmement, proposer des solutions sur la base de discussions que nous avons eues avec les acteurs de l'écosystème. Et pour cela, nous proposons un livre qui a un contenu varié, c'est-à-dire du travail académique avec des professeurs, donc comme Michel Desbordes, qui a co-dirigé le travail, Gérard Kindes et d'autres, mais aussi des études de cas qui vous montrent un petit peu comment est-ce que certains succès africains ont été construits et comment est-ce que vous pourriez peut-être les répliquer, et des entretiens avec des grands décideurs africains pour nous donner une perspective macro. Et à la fin, on revient toujours sur ces recommandations basées sur les entretiens que nous avons fait passer à des acteurs du terrain. Juste quelques grands noms parmi ces huit grandes personnalités que vous reconnaîtrez. Donc, M. Makhtar Diop, sénégalais, directeur général de l'AFC, du groupe Banque mondiale, M. Tidiane Thiam, Didier, on n'a pas besoin de dire Drogba, je pense qu'avec Didier, ça suffit pour savoir de qui est-ce qu'on parle, Mme Samoura, Mme Songoué, M. Riou, que nous remercions tous, bien sûr, de leur soutien. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment pour chaque chapitre, vous donner trois informations clés. Prenez des notes, ça va vous servir sûrement tout à l'heure pour les questions. Nous allons commencer par un panorama et parler ici de la perception. Comment est-ce que le sport est perçu en Afrique? Et ce que nous voyons, c'est qu'il est perçu souvent comme un sujet qui n'est pas sérieux. Mais par contre, cette perception est en train de changer au niveau des individus, des familles, mais aussi des organisations. On en parlera plus tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que nous parlons souvent des sports qui viennent d'Europe, d'Amérique. Mais le sport est un élément endogène de l'Afrique, c'est-à-dire que depuis l'Égypte antique, nous trouvons des traces de pratiques sportives et nous parlerons tout à l'heure avec Martial justement du rôle du sport dans nos cultures. Et le troisième point, comme le disait Gérard, c'est la nécessité de développer notre connaissance. Notre connaissance aujourd'hui est très faible sur ce secteur et sur ses potentialités. Ça, c'est pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre se concentre vraiment sur la chaîne de valeur. Donc, comment est-ce que créer la valeur économique par le sport? Un point essentiel, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias investissent très peu dans le sport en Afrique, préfèrent investir en Europe, avec un chiffre fort qui est le Star Times, un des grands groupes médias africains, qui n'investit qu'un million par an pour couvrir le Ghana, mais 340 millions pour couvrir essentiellement le championnat anglais. Donc, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. La problématique du sponsoring. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché du sponsoring africain ne représente qu'un pour cent du sponsoring mondial, alors que notre population représente 17 % de la population mondiale? Et un troisième élément, c'est la gouvernance. D'accord ? Quel est le rôle de la gouvernance et comment est-ce qu'on pourrait la professionnaliser justement pour faire avancer le sport en Afrique? Donc ça, c'est le deuxième chapitre. Le troisième, et vraiment a été mon chapitre préféré, c'est-à-dire qu'on met en valeur des études de cas, 8 en particulier. Et ici, trois éléments importants. Donc le premier dont parlera sûrement Martial tout à l'heure, donc l'étude de cas autour de la lutte sénégalaise et comment est-ce qu'en intégrant des éléments culturels à nos sports ou à nos habitudes sportives, nous pourrions vraiment enrichir le sport africain et le positionner de manière unique dans le monde. Le deuxième élément, est, nous emmène au Rwanda, c'est-à-dire comment est-ce que le Rwanda a utilisé le sport dans sa stratégie politique et l'a décliné pour résoudre ses grands défis nationaux. Et la troisième étude de cas qui est très intéressante nous emmène au Nigeria. Et là, c'est purement commercial. Le maillot Nike qui a été le plus vendu au monde et le maillot de l'équipe de football du Nigeria. Alors même que cette équipe n'est pas allée très loin à la Coupe du Monde 2018, là encore, vous aurez pas mal d'éléments pour comprendre ce succès dans le livre.
Le chapitre suivant, lui, revient aux 8 grandes personnalités dont j'ai parlé au début, qui nous donnent vraiment une vision d'ensemble et nous aident à imaginer comment le sport peut résoudre certains grands défis africains. Et là, ils étaient tous d'accord sur un point, qui était que le moteur doit être le sport de masse, c'est-à-dire donner accès au sport au plus grand nombre en Afrique pour générer de la croissance économique, mais aussi un impact environnemental et social maximum. Et le dernier chapitre, lui, nous offre une projection dans le futur. Et là, nous revenons vraiment à des points essentiels. Le premier, c'est comprendre notre écosystème par le biais de la recherche et aussi en créant un observatoire africain de l'économie du sport, dont je parlerai tout à l'heure. Un deuxième point, et là, ça suit un petit peu la recherche, c'est-à-dire que la recherche va nous aider à comprendre le fan et le pratiquant sportif. Mais ensuite, il faut le placer au centre de tous les produits et services que nous développons dans le sport, qu'ils soient commerciaux ou pas d'ailleurs. Et le troisième élément, qui va toucher au financement, et Samra en parlera sûrement tout à l'heure, c'est que finalement, pour attirer des financements, aujourd'hui on dépend beaucoup du secteur public, eh ben, il faut donner certaines conditions, créer des conditions pour rassurer les investisseurs et leur montrer le potentiel de ce secteur. Et voilà, et le livre se termine vraiment sur les 16 recommandations. Je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, mais vraiment juste les grandes familles. Le premier groupe, c'est vraiment sur former et informer, donc tout ce qui tourne autour du capital humain. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, et des formations notamment. Le deuxième, c'est sur la professionnalisation et comment rentabiliser, ce qui est vraiment une grande problématique pour les acteurs que nous avons interviewés. Et là aussi, qu'est-ce qu'on peut développer autour du sport de masse pour justement augmenter les revenus du sport. Et la troisième famille tourne autour, on va dire, des modèles économiques, de la gouvernance. Et là, on en parlera aussi tout à l'heure du lien entre patrimoine culturel et sport en Afrique. Donc, voilà quelques éléments du livre. Écoutez, j'ai hâte de commencer cet échange et de répondre à vos questions. Je te rends la main, Maureen. Merci. Merci beaucoup, Mohsen, pour cette présentation. J'ai retenu plusieurs choses de cette présentation du livre. D'abord, des chiffres clés sur l'économie du sport. Vous avez mentionné 3% de PIB mondial, 4% de croissance annuelle et une économie du sport en Afrique qui est 0,5% PIB. Tu as aussi mentionné des aspects tels que le capital humain, le sport traditionnel et surtout le fait que les différents acteurs et parties prenantes internationales considèrent le sport comme un outil de développement. Donc, on peut être d'accord qu'au cours des 10 dernières années, ces différentes parties prenantes internationales investissent de plus en plus dans l'utilisation du sport comme un outil de développement. Cependant, je pense que nous pouvons être d'accord et tous convenir que très peu de personnes comprennent réellement ce que signifie l'économie du sport et de quoi elle est composée. Donc, je vais toujours vous donner la parole à toi et à Samra en tant que professionnel dans le domaine. D'un côté, toi, Mohsen, qui est dans la recherche, et Samra qui travaille avec l'Agence française de développement et qui est impliquée dans les projets sport et développement. Qu'est-ce que c'est l'économie du sport de manière plus concrète et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour un pays? On va commencer avec Samra, honneur aux dames. Merci beaucoup Maureen. C'est vrai qu'il y a différentes manières de définir ce terme économie du sport. Il y a d'ailleurs dans le livre un chapitre très intéressant sur les différentes approches économiques qui se sont intéressées au sport, un article de Vladimir Andreev qui parcourt toute la trajectoire historique et géographique de cette pensée-là. D'un point de vue en tout cas des institutions publiques et dans le monde du développement, lorsqu'on s'intéresse à l'économie du sport, l'enjeu, c'est de comprendre en quoi le sport constitue un secteur économique viable et avec des opportunités. Et quand on parle d'économie, c'est bien plus large que l'aspect pécunier, l'aspect de le fait de pouvoir dégager une rente économique. On s'intéresse bien sûr à la définition en termes de maximiser l'utilité commune, et le bien-être commun. Donc, à partir de cette approche sectorielle, on peut inclure dans l'économie du sport tout ce qui permet de maximiser la participation au sport, d'une part, et ça, c'est à tous les niveaux, le sport amateur, le sport scolaire, le sport professionnel. C'est aussi ce qui permet de maximiser la consommation du sport d'un point de vue des fans et des spectateurs, que ce soit dans les stades, que ce soit à la maison, que ce soit en ligne. Et implicitement, c'est toutes les entreprises
toutes les organismes, les organisations qui soutiennent à la fois la participation et permettent à la fois cette participation et cette consommation du sport, que ce soit les industries textiles, l'industrie de la construction, les médias, les métiers des encadrants du sport un peu plus directement. Donc, une fois qu'on pose ces bases, on peut réfléchir et se demander, OK, pourquoi c'est important pour une ville, pour un pays ou pour une ville d'ailleurs, l'économie du sport. On se rend compte que c'est donc un secteur très divers avec un potentiel de retombées économiques large. Il y a une diversité d'industries et donc ça, en termes de création d'emplois et création de valeurs économiques, il y a un fort potentiel. On passe d'industries comme des médias sportifs au tourisme sportif. C'est aussi un secteur qui est en constante évolution, avec notamment récemment l'arrivée des nouvelles technologies qui est en train de changer pas mal de choses. Et c'est aussi un secteur d'avenir dans le sens où on est à un moment important où les modèles de développement sont extrêmement challengés. Il y a une prise de conscience que le développement, c'est bien plus que la simple accumulation des richesses à un endroit donné. Et donc, il y a aussi une évolution des attentes de la population avec une vraie exigence d'une meilleure qualité de vie, dans un meilleur environnement, dans un monde plus juste, avec des gens plus heureux. Et donc, le sport, le potentiel du sport, c'est qu'il permet de contribuer, lorsqu'il est bien pensé, à tout cela, que ce soit en termes de santé physique, santé mentale, que ce soit en termes de permettre la cohésion sociale au niveau de certains quartiers, de certaines villes, par exemple. Donc, c'est important de tous ces points de vue. Et peut-être, une dernière remarque, c'est aussi important, il y a un aspect symbolique très fort, et ça, on s'en rend compte lors des compétitions internationales et l'importance d'un point de vue de la fierté que ça peut créer pour les pays et ces phénomènes d'union. Effectivement, il faut donner toute importance au sport. Merci beaucoup, Samra, de ce que vous avez dit. J'ai retenu quelques mots-clés. L'innovation, l'avenir, le potentiel qui est plus que la richesse économique et aussi ce potentiel pour développer l'aspect humain. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit le sustainability, donc la durabilité, donc l'impact, le legacy, comme les autres le disent. Je vais rapidement passer la parole à Mo, qui va aussi contribuer et nous dire, parler un peu de l'importance de l'économie du sport et selon lui, qu'est-ce que c'est l'économie du sport. Oui, merci. En fait, pour bâtir un petit peu sur ce que vient de dire Samra, déjà le fait même qu'on associe sport et économie, sport et grand défi, c'est déjà, on va dire, quelque chose d'assez novateur en Afrique. Et c'est une des premières leçons qu'on a tirées de notre travail sur le terrain, c'est cette perception du sport comme étant un sujet qui n'est pas très sérieux, qui est vraiment juste limité aux loisirs, souvent juste aux garçons d'ailleurs, même pas aux femmes, et qui, du coup, n'est pas porteur d'impact. Donc ça montre déjà qu'il y a un sujet à étudier par rapport aux chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, pour répondre à la question sur pourquoi est-ce que l'Afrique devrait investir dans le sport, moi, je vois deux éléments. Donc, il y a un élément qui a trait au secteur du sport lui-même et comment est-ce qu'il évolue. Et le deuxième, comment est-ce que c'est une opportunité par rapport aux forces de l'Afrique, d'accord ? Plus peut-être qu'un autre continent. Donc, le sport, j'en ai parlé tout à l'heure avec certains chiffres, 3% du PIB, 4% de croissance par an. Et en fait, le sport, pour vous donner juste un chiffre, juste la partie des biens sportifs, équipements, donc les chaussures, le marché des chaussures, des t-shirts, pèse 110 milliards de dollars par an. 110 milliards, c'est l'équivalent du PIB du Maroc, qui est le sixième pays africain. Ça, c'est juste une partie du secteur. Ça vous donne un peu la taille, le potentiel. Et je pense que l'Afrique gagnerait déjà beaucoup comme opportunité de diversification. Comme vous le savez, 2/3 des exportations africaines sont liées aux matières premières. Donc ça, c'est une bénédiction d'avoir une terre, avoir autant de richesses. Mais ça nous tient aussi, ça met les économies en danger lorsque les prix fluctuent fortement comme en ce moment. Et du coup, il y a deux stratégies qui sont portées notamment par la zone de libre-échange, qui sont de transformer donc de manière verticale, comme par exemple le fait le Nigeria avec l'investissement de M. Dangote dans le pétrole, pour transformer le pétrole au Nigeria et générer de la valeur sur place. Mais aussi, on peut regarder ça de manière horizontale, où là, on va chercher des secteurs qui sont porteurs, comme celui du sport, et dans lesquels on a peut-être des atouts à faire valoir. Donc ça, cet aspect diversification est intéressant.
Et la deuxième partie, c'est pourquoi en Afrique? Et je pense que ça nous permettrait vraiment de capitaliser sur certaines forces. Une des premières forces qui a été vraiment mise en valeur par Tidiane Thiam, le grand banquier ivoirien dans le livre, c'est le capital humain. C'est-à-dire qu'on a une population d'1,4 milliard, une jeunesse très forte et une jeunesse qui va doubler quasiment d'ici 2050. Donc en 2050, un jeune sur deux dans le monde sera africain. Donc bien sûr, le sport n'est pas limité aux jeunes, mais ce sont eux qui portent les pratiques. Et donc c'est une opportunité en investissant dans les jeunes tout de suite, d'en faire demain autant d'adultes qui pratiqueront le sport. Donc ça, c'est un marché. Donc capital humain, c'est la jeunesse, c'est la croissance des classes moyennes. Un deuxième aspect, c'est la créativité des Africains. Même lorsqu'on regarde aujourd'hui nos athlètes qui évoluent partout dans le monde, ils ne sont pas juste reconnus pour leur performance sur le terrain, ils sont reconnus souvent pour leur valeur, pour leur comportement aussi, et pour leur façon d'exprimer ou de s'exprimer sur le terrain. Et ça, ce sont des éléments qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans la musique nigériane qui a beaucoup de succès partout dans le monde. Donc ça, c'est un élément qui est porteur, je pense, pour l'Afrique. Et le troisième point, c'est que malheureusement, il y a très peu de secteurs aujourd'hui ou de disciplines dans lesquelles les Africains sont parmi les meilleurs du monde. Et le sport nous offre déjà certaines de ces disciplines. Juste deux exemples, la course de fond avec le Kenya et l'Éthiopie qui sont aujourd'hui reconnus par tout le monde comme étant des leaders dans ce sport. Ou un autre, dans un sport moins connu, en tout cas en Afrique, c'est le squash. Où, par exemple, l'Égypte a la moitié du top 10 chez les hommes et chez les femmes. Donc là, en étant visible sur deux disciplines, on peut capitaliser, développer une économie autour et ensuite étendre à d'autres disciplines du sport. Donc voilà un petit peu les deux éléments qui font que le sport est vraiment pertinent aujourd'hui pour l'Afrique. Merci beaucoup, Momo. Je pense qu'on est vraiment d'accord sur l'aspect de cette jeunesse africaine qui a fort potentiel. Tu as dit que la jeunesse africaine d'ici 2050, pardon, la jeunesse d'ici 2050, un jeune sur deux sera africain. Et donc, nous avons une population africaine qui est relativement très jeune, qui est active, qui est vraiment innovative et qui détient les valeurs. Et il existe en effet différents enjeux liés au développement de l'économie du sport, comme Samra et toi, vous avez mentionné, et des éléments tels que le capital humain, comme tu as si bien dit, le financement, la commercialisation et le business sont des composantes intégrales et indissociables de l'économie du sport. Mais j'aimerais vraiment demander à Gérard et à Martial, selon votre expertise, que représente l'économie du sport pour l'Afrique? Mo et Samra ont mentionné le développement humain, le développement de ce capital humain. Mais que représente réellement l'économie du sport pour l'Afrique? Alors, qui commence? Toi, Martial, bien sûr. Merci, cher compatriote. moi, j'ai un regard qui va dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, bien évidemment, le côté potentiel, peut-être le côté, un aspect que Mohsen a brossé rapidement, qui va au-delà de l'image des pays, qui est même un élément de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. On sait que certains pays utilisent aussi le sport pour avoir une grande visibilité internationale. Quand vous prenez un pays comme le Brésil est pourtant, le Brésil fabrique à une industrie, il fabrique entre autres des armes, etc. Mais il est connu, très très connu par le football et entre autres par la musique également, qui sont des éléments qui peuvent faire revenir aussi du capital financier, des investissements. C'est juste pour renforcer cette idée que derrière le sport qui peut paraître essentiellement un côté entertainment, un côté divertissant, il y a en fait plusieurs dimensions qui se croisent. Il y a des dimensions géopolitiques extrêmement importantes et qui se conjuguent avec les dimensions économiques. Mais ce qui m'a frappé à titre personnel, c'est un énorme paradoxe sur lequel je suis tombé quand je travaillais sur ces questions. Je constatais avec beaucoup d'intérêt qu'on a de plus en plus de stars africaines, de très grandes stars africaines sur les grands plateaux qui font la une des grands journaux
On peut se vanter d'avoir l'un ou l'autre modèle qui réussissent, l'Éthiopie, etc. Ou on peut se souvenir d'Abébé Bikila en 1960, à la période des indépendances, qui gagne le premier marathon africain, etc. Donc, on a même un président de République qui probablement ne l'aurait pas été s'il n'avait pas été un excellent footballeur, la personne de Georges Oupong-Weah, qui est d'ailleurs à ce jour le seul footballeur africain à avoir été ballon d'or européen. Donc on a comme ça une idée qui peut nous rendre extrêmement positif vis-à-vis du sport africain. Et quand j'ai creusé un petit peu cette image, je me suis demandé malheureusement si ce n'était pas un peu un mirage. C'est-à-dire qu'on a des sportifs africains, on a des victoires, quelques victoires, grandes victoires symboliques africaines, en Coupe du Monde, etc., où on arrive en quart de finale, le petit poucet qui défie les grands ogres, etc. Mais à l'arrivée, on a très peu de sport africain. Et cette intuition m'a un petit peu fait froid dans le dos. Je suis donc allé un peu regarder dans les détails et j'ai pris la nomenclature, l'ensemble des sports pratiqués aux Jeux Olympiques, par exemple en 2016. Sur les 41 jeux pratiqués, il n'y avait aucun jeu d'origine africaine directe, disons. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 90% des jeux sont des jeux européens ou américains, 5% asiatiques, et puis le reste, c'est des jeux qu'on peut attribuer aux civilisations anciennes, hein, comme l'athlétisme, le marathon, etc. C'est très ancien. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui posait problème. C'est-à-dire qu'on a à la fois le berceau des civilisations, qui est un espace énorme où on trouve encore une très, très grande diversité d'activités sportives, d'activités ludiques, d'activités gymniques, qui sont quelquefois mêlées à de la danse, à de la culture, à des traditions, à de l'initiation, mais qui n'en demeurent pas moins des activités sportives. On en a à tous les niveaux. On a des sports de précision, on a des sports sur des animaux, on a des espèces de rodéos, on a des jeux d'éveil, on le retrouve partout en Afrique. Et pourtant, aucun de ces jeux ou sport africain n'arrive à, par exemple, à l'échelle olympique, ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des sports mondiaux proviennent de 15% de la population mondiale. Et donc, moi, c'est déjà ce paradoxe qui m'a frappé de voir l'étendue du possible et des possibles, et une réalité qui est beaucoup moins reluisante du point de vue de la promotion de ces sports, de la formalisation de ces activités et de tout l'épanouissement en fait dont on coupe finalement une grande partie des Africains. Et c'est assez, comment dire, c'est assez antagoniste avec l'idée même de sport. Parce que si les Africains ne jouent que sur des sports qui sont des sports occidentaux et autres sports, certes, ils vont gagner des médailles, etc., etc. Mais à l'arrivée, ils auront toujours une forme de désavantage comparatif. Et ce serait bien aussi pour le sport et dans l'intérêt du sport, de la diversité humaine, de la diversité culturelle, d'avoir une ouverture un peu plus grande de la palette des sports et des activités humaines mondiales. C'est ce premier sentiment, c'est sur ce premier sentiment que je suis resté pour ce qui est des pratiques sportives et pour ce qui est de leur économisation. C'est-à-dire que si ces sports ne sont déjà pas reconnus dans leurs environnements ou alors sont relativement marginalisés, ruralisés, oubliés, négligés, ils n'apparaissent même pas, si vous voulez, dans des fédérations internationales. Alors, évidemment, j'exagère un petit peu. Il y a des efforts qui sont faits, ils sont méritoires, et ils devraient être prolongés. Mais c'est vrai que ça commence. Voilà, il y a une prise de conscience, mais qui n'enlève pas cette idée que, à l'arrivée, le sport mondial risque d'être un processus d'aliénation culturelle et, au fond, un processus essentiel d'occidentalisation. Et on a besoin d'un peu de tout. Et l'ouverture vers ces sports-là permettra aussi à ouvrir vers de nouvelles opportunités sportives, culturelles et économiques. Et ce n'est pas plus compliqué que ça de transformer un sport dit traditionnel ou endogène en spectacle sportif, faire venir des sponsors, faire venir des gens qui pourront produire de l'économie du sport, produire des équipements, etc. Ce n'est pas impossible, loin de là. Il existe quand même, je vais être rassurant et laisser la parole à Gérard, il existe quand même un certain nombre d'initiatives dans ce sens-là, que ce soit en Afrique du Sud, où il y a des sports traditionnels, il y a des sports
des festivals de sport traditionnel. Au Nigeria, il y en a aussi. Il y a eu des initiatives absolument intéressantes sur des jeux comme la Wale, où vous avez des compétitions sur plusieurs pays, ou des jeux comme Bundu, Dampé, qui sont des jeux de filles, ou Dango, où on a des compétitions qui commencent à prendre forme. Mais c'est vrai qu'on reste quand même dans une asymétrie générale. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup, Martial. J'ai vraiment aimé votre intervention, surtout par rapport au sport traditionnel et ce lien que ce sport a avec la culture africaine, le potentiel que ce sport peut avoir vraiment sur le développement aussi des valeurs et du Made in Africa et cette image et l'héritage africain. J'ai aussi surtout retenu certains problématiques que ce secteur souffre en Afrique. D'ailleurs, la formation, le développement des compétences et la valorisation des talents. Je vais laisser la parole rapidement à Gérard. Merci, Maureen. Je vais rebondir un peu sur ce que Martial a dit. D'abord, la valorisation des sports et jeux traditionnels, c'est pour moi une matière économique, si on s'en occupe. Pour la simple raison que, d'abord, ce sont des jeux qui sont bon marché, qui sont accessibles. Tout ce qu'on fabrique au niveau des jeux traditionnels est accessible à une large population si on veut les diffuser. Le football, quoi qu'on dise, n'est pas toujours très accessible quand on doit s'acheter des godasses de foot. Le plus simple, le plus bas salaire en Afrique, on ne peut pas s'acheter des chaussures de foot, alors que c'est le sport le plus populaire. Donc, les jeux traditionnels ont un potentiel économique qu'on n'a même pas encore perçu de par la pratique et la pratique de masse qu'on peut arriver à mener. Ensuite, maîtriser les outils qu'on utilise, maîtriser leur fabrication, leur développement, maîtriser les connaissances et les compétences qui se sont mises en place de manière organique, mais qui sont là, qu'on peut surmultiplier et pour en faire des instruments qui permettent la pratique à des échelles très larges. Donc, le potentiel économique est extraordinaire parce qu'on a toute la matière sur place, aussi bien au niveau des outils, des individus, des compétences que des savoirs. On a tout sur place. Donc, ça, c'est critique. Maintenant, quand on bouge vers les sports qu'on appelle sports modernes, on les appelle modernes parce qu'ils ont été formalisés, généralement transmis par les pouvoirs coloniaux, on est aussi dans un cadre où la compétence et les savoirs sont très importants. Ils ne sont pas aussi accessibles que pour nos jeux traditionnels, mais on doit les acquérir si on veut compétir. Quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, on est de loin les moins compétents avec des entraîneurs et des officiels formés. Je parle de nombre, je ne parle pas de cas exceptionnels, je parle du nombre. On a peu d'entraîneurs formés, on a peu d'officiels formés, on a peu de managers formés, on a un déficit qui ne nous permet pas d'élargir notre masse de participation et de pratique jusqu'à un certain niveau. D'où on doit mettre en place des mécanismes de formation. Et on a tendance à se satisfaire des succès individuels. Moi, je ne m'en satisfais plus. Et souvent, dans beaucoup de cas, ces succès individuels ne sont généralement même pas le produit de nos propres efforts collectifs. C'est le produit d'individus qui se sont battus avec le support de la famille, de quelques amis et d'autres personnes qui ont cru en eux. Sinon, nos succès ne sont pas des succès systémiques. Ce sont des succès un peu par la fatalité du hasard. Donc, on peut arriver à des succès dans le système qui nous permettent de produire du succès. Et avec ce succès de l'économie, il nous faut former. On ne peut pas faire l'économie de ça. On doit former. Et on doit former sans relâche. On doit former en quantité, à des échelles où tous les gosses,
tous ceux qui pratiquent le sport ont l'opportunité de le faire avec des gens qui sont suffisamment compétents pour transmettre les savoirs et la culture de ce sport. Donc, la nécessité pour le développement de l'économie du sport, et je vais en finir là, elle passe par un investissement pas sporadique, systémique, systématique et continu dans la formation des savoirs et des compétences. Merci beaucoup, Gérard. Je suis vraiment d'accord avec vous, surtout quand on parle de cette population africaine qui est à 60% jeune. Donc, tout ce qui est lié avec la formation, le développement de compétences, surtout dans le domaine du sport, est extrêmement important. Et si on veut, bien sûr, parler de cette croissance de l'économie africaine dans 2, 3, 4 ans, il faut effectivement miser sur ces mécanismes de formation. Parlons justement du capital humain, de financement et la commercialisation et vraiment la création de l'environnement propice pour le business du sport. J'aimerais poser cette question à Mo. Est-ce qu'il y a certainement des success stories dans le business, comme le business du sport, comme Gérard a mentionné? Quelles sont ces success stories et que penses-tu qu'ils sont marginaux? Quel est leur impact dans leur communauté et comment est-ce qu'ils contribuent au développement de cette économie du sport en Afrique? Merci Maureen. Ça, c'est une très bonne question parce qu'on a un des biais que j'ai remarqué lors de notre travail, de la part même des Africains, c'est qu'on a cette tendance à regarder ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais jamais ce qui se passe chez le voisin. Alors qu'il y a vraiment des environnements qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus comparables, et souvent des cultures, des façons de communiquer, des langues qui nous permettraient de justement collaborer, d'apprendre des uns des autres. Et ça a été, comme je le disais en introduction, ma partie favorite, qui a été d'enquêter, et nous avons 8 études de cas dans le livre, qui nous ont emmenés en Tunisie, par exemple, sur l'équité homme-femme et le sport, le Cameroun, la RDC. Et ici, j'aimerais juste vous expliquer 4 de ces succès, en les liant à 4 recommandations. Comme je vous l'ai dit au début, ce livre contient 16 recommandations aux acteurs du sport. Donc, la première, c'est une recommandation qui est bâtir sur le sport de masse, c'est-à-dire inclure le sport de masse dans la stratégie, au cœur de la stratégie de développement du sport en Afrique. Et l'étude de cas ici, et pour cela, je remercie Valence Mounia Bagesha, Didier Chema Maboko et Célestin Zeimana au Rwanda, qui nous ont fait une belle étude de cas sur la manière avec laquelle le Rwanda, au sortir d'un génocide terrible, a utilisé le sport et a promu le sport pour tous, pour premièrement créer une cohésion, recréer une cohésion sociale entre les différentes ethnies. 2, dans l'éducation, et Gérard en parlait dans un instant, intégrer le sport à l'éducation, et aussi intégrer le sport dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec le Kigali Car Free Day, par exemple. Donc, cela montre à quel point on peut décliner le sport dans la résolution de grands défis, tout simplement, et vous avez sûrement fait l'expérience en tant que pratiquant du sport ou fan, le sport crée un lien particulier entre l'être humain et la pratique et entre différents pratiquants. Et donc, ces valeurs-là peuvent nous aider justement à nous projeter et attaquer des grandes problématiques. Donc ça, c'est le premier exemple, bâtir sur le sport de masse au Rwanda. Le deuxième, c'est créer le lien entre sport de masse et sport d'élite. Souvent, en Afrique, on a vu un biais d'investissement dans les grandes compétitions en oubliant la base. Sauf que si vous investissez dans le sport de masse, c'est que vous donnez accès au plus grand nombre au sport, et vous développez cette connaissance de l'importance du sport, ben forcément, vous donnez une plus grande opportunité de détecter des talents. Et ici, il y a 2 exemples superbes. Le premier, nous remercions pour cela Amadou Galofal de la Basketball Africa League. Donc, c'est la NBA en Afrique. Comment la NBA, depuis 20 ans, investit d'abord dans les tournois scolaires pour élargir la base, ensuite a créé une académie au Sénégal en partenariat avec SID, un acteur local, et pour détecter les talents et les développer, les préparer à être des professionnels, en ajoutant bien sûr de l'éducation, pas juste du sport. Et enfin, en les envoyant aux États-Unis pour les meilleurs. Et la dernière phase qui a été faite récemment, c'est de créer carrément un championnat en Afrique, donc en remplaçant la Coupe des Champions et en amenant cette compétence business et de gestion de la NBA, mais en mettant en valeur la culture et la façon de jouer africaine.
Donc ça, c'est un très bel exemple. Un deuxième, Right to Dream au Ghana, dans le football, qui est aussi un bel exemple sur lequel j'aimerais beaucoup écrire. Donc la troisième, on va dire, success story est autour de la spécialisation. Comment est-ce qu'un pays peut se spécialiser dans une des disciplines sportives pour être visible au niveau mondial et utiliser ça comme base d'élargissement? Et ici, on a une belle étude de cas de Benjamin Burlot, que je remercie aussi, sur le Gabon. Donc, il y a un pays qui a une population restreinte, qui ne produit pas de grands champions. Et souvent, les grands athlètes, enfin, en tout cas, le plus grand, le footballeur qu'on connaît tous, a été formé en France. Mais c'est cette idée de se concentrer sur l'excellence organisationnelle. Donc, souvent en Afrique, on est critiqué là-dessus, sur le manque de professionnalisation dans ce domaine-là. Et le Gabon s'est concentré sur ce domaine-là en organisant, par exemple, la Tropicale Amissa Bongo, course cycliste, deux Cannes en à peine 15 ans, ce qui est assez exceptionnel, et se donnant l'opportunité non seulement de créer un secteur économique, puisque vous avez des revenus touristiques, vous avez des revenus qui vous permettent d'investir dans les infrastructures, par exemple, mais ce qui est souvent oublié, c'est qu'on donne l'opportunité aux Gabonais d'apprendre des meilleurs, puisque lorsque les grandes équipes viennent, les grands managers viennent, eh bien, ça donne l'opportunité d'interagir, d'apprendre les meilleures pratiques, et ainsi de rattraper le retard en sautant des étapes. Donc ça, c'est une très belle étude de cas de Benjamin Burlot. Et le dernier exemple est autour de l'intégration de la culture locale, les cultures africaines, dans la pratique sportive. Et donc Marcel en a parlé tout à l'heure, il va sûrement en reparler. Donc il y a ici deux études de cas, une sur Nike. Donc comment je vous l'ai dit tout à l'heure, le Nike a intégré des éléments culturels dans ses maillots de la Coupe du Monde 2018. Et celui du Nigeria a un succès extraordinaire avec une vente de 3 millions de maillots en une heure. Et là, il faut imaginer des prix occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas accessibles à tous les Nigériens. Donc, imaginez le chiffre qu'on pourrait dégager si les prix étaient accessibles aux 250 millions de Nigériens, presque qu'il y a aujourd'hui. Donc, ça, c'est une étude de cas intéressante. Et l'autre est autour de la lutte sénégalaise. Et nous remercions le professeur Ibrahim Afal à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar sur l'intégration d'éléments culturels comme la danse, comme les joutes verbales, comme la magie, la spiritualité, dans le développement du sport qu'est la lutte sénégalaise et qui en fait aujourd'hui un sport qui est concurrent du football, ce qui n'existe peut-être sûrement dans aucun autre pays africain. Donc voilà quatre recommandations, bâtir sur le sport de masse, le lien entre le sport de masse et sport d'élite, la spécialisation et intégrer la culture locale dans nos modèles de développement sportif. Merci beaucoup, Mon. En parlant de sport de masse, je pense que quand on parle aussi du sport dans les écoles, c'est aussi lié au sport de masse. On peut comprendre pourquoi des organisations comme la Confédération africaine de football aujourd'hui investit dans la promotion de leur ligue scolaire et aussi la NBA, comme tu as mentionné tout à l'heure, dans la promotion de différentes activités au niveau scolaire. Tu as aussi abordé deux autres points sur l'importance de la collaboration entre parties prenantes, donc des organisations, des grandes corporate américains avec des ONG locales, en prenant l'exemple de la NBA, de la CIP Project, et aussi sur la spécialisation des pays. Par exemple, aussi le Rwanda aujourd'hui qui a investi énormément dans le tourisme sportif, comme d'ailleurs relevé dans le livre, et surtout le soft power qui quelque part est utilisé par tous ces différents pays pour promouvoir l'impact du sport et pour promouvoir aussi leur identité au niveau international. Je vais rapidement passer la parole à Samra. Samra, tout à l'heure, tu as mentionné l'importance et le lien entre le sport et le développement humain et surtout l'aspect des thématiques phares aujourd'hui qui sont promues par les organisations telles que les Nations Unies, donc l'équité, le genre, l'inclusion. J'aimerais savoir, en tant que passionnée du sport, ancienne championne de France et athlète, et aujourd'hui une jeune femme brillante qui travaille dans le sport et le développement avec l'AFD, pourrais-tu nous dire quelle est la place de la femme dans l'économie du sport en Afrique? Et vraiment, est-ce que les femmes contribuent assez au développement de cette économie? Merci Maureen. Alors en effet, c'est à partir du moment où on aborde le sujet du sport comme secteur économique, c'est important de se poser la question du capital humain et donc des hommes et des femmes qui animent ce secteur.
Et en effet, il y a une sous-représentation des femmes à tous les niveaux. Il y a des études récentes qui ont été menées par PwC, notamment Women Sports Africa, sur 5 pays africains, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Kenya et l'Afrique du Sud, sur cette question de la participation des femmes au sport et de la place des femmes de manière plus générale. Et on peut dire sans équivoque, de manière assez claire, qu'il y a une sous-représentation des femmes. Et d'ailleurs, c'est un sujet, c'est une réalité universelle qui s'étend bien au-delà du continent africain. Et on parle, c'est une sous-représentation par rapport à la volonté qu'ont les femmes de faire du sport, d'être médiatisées, si on prend l'exemple des athlètes de haut niveau, d'accéder aux métiers du sport et aux instances de gouvernance et de décision. Donc la réponse, elle est assez nette, hein. Je pense que tout le monde peut l'observer. La place actuelle, elle est beaucoup trop restreinte. Et la question importante finalement, c'est pourquoi, et est-ce que c'est un problème, et pourquoi, et comment on peut rétablir toutes les places finalement que les femmes demandent à prendre dans le sport. Comment on accélère ce mouvement? Il y a une prise de conscience qui se produit en ce moment partout, un engouement autour de le women's sports dans les pays anglo-saxons. Et il y a d'ailleurs à ce titre un chapitre intéressant dans le livre qui propose une perspective historique du sport. Et on se rend compte que même si globalement ça a toujours été une histoire d'hommes, il y a des traces dès l'Égypte antique sur les fresques de Beni Hassan que des femmes participaient à des jeux de balles. Et un autre exemple, une autre expérience qu'on pourrait prendre, c'est si on prend des enfants très jeunes, des nourrissons, que ce soit une fille ou un garçon, qu'on met une balle devant elle ou devant lui, il y a de grands risques qu'il ou elle tape dedans. Donc je pense que déjà, avancer sur ce sujet, ça passe par arrêter de se poser la question de la légitimité des femmes dans ce secteur. Est-ce que les femmes s'intéressent vraiment au sport? Est-ce que le sport, c'est vraiment fait pour les femmes? En tout cas, ça intéresse un certain nombre de femmes et donc il faut agir en ce sens. Si on prend l'exemple des athlètes de haut niveau, par exemple, africaines, qui d'ailleurs gagnent dans beaucoup de pays africains, en moyenne, plus de médailles aux compétitions internationales que les hommes. Pourtant, il y a très peu de médiatisation. Les athlètes ne sont pas marketés, on ne donne pas de visibilité, il y a encore moins de moyens financiers. Et donc, ça bloque vraiment ce développement. Donc, il faut, je suis d'accord avec ce que disait Mohsen, ça, c'est un des grands enseignements du livre. Il faut investir massivement au bas de la pyramide, mais il faut aussi, sur ce sujet précis, agir d'un point de vue de la représentation dans les instances de décision. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé maintenant. Il faut s'ouvrir à plus de femmes dans au niveau des ligues, des clubs, des ministères, des sports, de toutes les organisations qui prennent les décisions et qui font ce secteur, donner une place à la table au moment où les décisions sont prises. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est un sujet, le sport, qui est sensible, qui est hautement symbolique, parce qu'on parle du corps de la femme, du corps de la femme en mouvement. Et donc, on touche à des choses qui sont beaucoup plus larges d'un point de vue sociétal que la simple question du sport. Donc, ça prendra du temps. Mais je pense qu'en tant qu'acteur dans ce secteur, notre responsabilité, c'est aussi d'accélérer le mouvement pour faire changer les mentalités. Et aussi, entre femmes dans le secteur, de pas reproduire ces stéréotypes hein, sexistes, de développer de l'entraide aussi entre nous. Parce que parfois, ce n'est pas tout le temps le cas. Et ça, je pense que ça peut aussi beaucoup aider le secteur de manière générale. Merci beaucoup, Sandra. Je vais un peu poser une question qui va un peu choquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'institutions internationales qui touchent surtout l'aspect de l'inclusion de la femme. On a tendance à observer que beaucoup d'organisations intègrent les femmes pour les mauvaises raisons, ok, pas parce qu'elles sont souvent compétentes, mais parce qu'ils veulent juste tick the box, comme les anglophones vont dire. Est-ce que donc tu penses, en tant que femme qui travaille dans le milieu, qu'il y a une question de compétence qui se pose par rapport à l'intégration des femmes dans le milieu sportif?
Oui, c'est une question intéressante parce que en fait, il y a deux sujets. Hein, lorsqu'on parle de la représentation dans ces métiers, on peut penser à ce qui se passe en effet du côté des femmes et ce qui se passe du côté des organisations. Et c'est souvent, on aborde souvent ce problème-là en disant, oui, il faut former les femmes, il faut coacher les femmes, il faut les aider à finalement acquérir les compétences. En souvent partant du postulat que finalement elles ne les ont pas. Et moi, je pense que bien sûr, hein, d'ailleurs, parce que la discrimination, des fois, elle s'opère dès les parcours académiques. Donc, c'est aussi vrai parfois. Mais je pense qu'il y a aussi un travail, un questionnement qui doit être fait sur les mécanismes qui empêchent aussi celles qui auraient les compétences, qui auraient l'envie. Et qui n'y arrivent pas. Il y a des effets de plafond de verre. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut dire assez clairement. D'ailleurs, même aussi dans les fédérations sportives en France, il y a beaucoup d'articles et c'est un sujet d'actualité où on se rend compte qu'il y a des femmes à un certain niveau, mais dès qu'on monte, il y en a de moins en moins. Donc, et ça, je pense que c'est un travail qui est fait, qui est en train de se faire dans tous les secteurs et. Il faut aussi que le sport s'en imprègne parce qu'il y a aussi, en fait, au-delà de l'argument éthique ou moral, il y a aussi un argument économique, je pense, derrière. Quand on parle de fans, notamment de spectateurs, ça, je le vois souvent. En fait, on pense encore rarement à ce public-là, femme. Je pense qu'il y a une énorme opportunité qui n'est pas encore exploitée. De créer du contenu, notamment qui soit consommable par les femmes, qui représentent quand même 50% du marché mondial. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à pousser à ce niveau-là. Merci beaucoup, Samara. Merci pour cette belle intervention. Tout à l'heure, Martial, vous avez parlé de l'importance de l'ouverture du sport africain. Vous avez mentionné l'importance du sport traditionnel de l'identité de notre continent. Donc, avant l'importation des sports étrangers, l'Afrique vraiment avait son histoire avec le sport, via les sports et les jeux traditionnels. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que les jeux traditionnels sont reconnus par les institutions internationales telles que les Nations Unies comme une composante du sport. Donc, on parle de sport compétitif, on parle de l'éducation physique, l'activité physique et aussi des sports traditionnels. Alors, Martial, pourrais-tu nous parler de l'opportunité que les jeux et les sports traditionnels nous représentent pour l'Afrique et comment penses-tu que cela peut être mieux développé? Merci, vaste question. Alors, je commencerai par reprendre le flambeau, reprendre un petit peu la corde tendue par Mohsen encore une fois, sur les success stories. Voilà les seules activités, et ce n'est pas valable que dans le domaine du sport. La seule activité qu'on retrouve dans le domaine sportif en Afrique depuis au moins 10 siècles, sans discontinuer. De façon différemment répartie, certes, mais qu'on retrouve quasiment partout, c'est la lutte traditionnelle. Elle est aujourd'hui la plus visible au Sénégal, parce que le Sénégal a réussi à en faire un spectacle sportif et une économie du sport qui est concurrente, sinon qui est plus importante en termes de sponsoring, etc., que le football. Mais je peux vous dire que la popularité de la lutte traditionnelle n'est pas beaucoup moindre au Niger, au Burkina Faso, etc. Et en réalité, dans toute l'Afrique, en tout cas subsaharienne, jusqu'au Soudan, vous retrouvez des formes de lutte traditionnelle avec des spectacles extrêmement importants. Au Soudan, il y a des arènes spéciales conçues pour des compétitions de lutte traditionnelle. Et je vais vous surprendre. Ces formes de lutte traditionnelle ne sont pas restées qu'en Afrique. Si vous prenez les populations qui ont été déportées vers les Amériques, elles ont gardé pour beaucoup d'entre elles des formes de lutte traditionnelle africaine. Dans la région littorale du Cameroun, il y a une lutte traditionnelle, lutte qu'on appelle Bessoua. Vous allez en Guyane, vous retrouvez exactement la même lutte traditionnelle qu'ils appellent Soua. Donc, déjà en termes de success story,
Voilà une activité qui se maintient sans grand financement, sans tambour ni trompette, mais qui se maintient sur la durée, même si on est convaincu qu'on peut en faire beaucoup plus et beaucoup mieux, c'est évident. Et là, la perche m'est évidemment trop facilement tendue, puisqu'on voit bien que c'est une activité qui est naturellement candidate à une patrimonialisation au niveau mondial. On espère bien qu'elle sera au moins un patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple. On espère bien que les Africains pourront en faire. Il y a déjà des jeux africains de lutte traditionnelle, mais on espère que les Africains pourront dynamiser ces jeux africains de lutte traditionnelle, l'intégrer, les resocialiser, l'intégrer à l'éducation, l'éducation physique, par exemple, en EPS, dans les cours d'EPS, etc. On peut rajouter de la lutte traditionnelle pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus formel, de beaucoup plus intégré, et qu'à terme, on rajoute quand même au moins une case parmi les disciplines olympiques, qui serait une discipline d'origine africaine et en plus extrêmement partagée dans le continent africain. Je prendrai un deuxième exemple qui lui aussi a cette particularité d'être sur le continent africain depuis des siècles, au moins des siècles, d'avoir voyagé, quitté le continent et se retrouver dans les Amériques, mais se retrouver également dans l'océan Indien. C'est cette espèce de jeu qu'on appelle tantôt Awale, tantôt Wale, tantôt Wari, tantôt Ajito, tantôt Bayo, on l'appelle Songor, on l'appelle Ngola, on l'appelle Owena, on l'appelle Kiela, etc. C'est ce jeu de semaille que vous connaissez, qu'on appelle Awale ou Awele, qui a quelque chose d'assez particulier. Il est très ludique. Alors, comment ça se fait que ce jeu soit conservé, pour vous dire, jusqu'à présent, dans un pays, dans les Caraïbes, à la Barbade, par exemple, c'est un jeu roi. Antigua et Barbados, c'est le jeu national par excellence. Et quand vous vous penchez sur les travaux des anthropologues du 19e siècle, 18e, 19e siècle, ils disent la chose suivante. Le sport africain, ils disaient, le sport africain par excellence, c'est la lutte. Le jeu africain par excellence, c'est le wari, wari ou awale. Voilà, par exemple, pour vous montrer qu'un tel jeu ou de tels jeux ont un énorme potentiel même de panafricanisation, c'est-à-dire de conscience panafricaine, puisqu'ils sont déjà joués quasiment partout avec des variantes et qu'ils peuvent permettre de développer autour une conscience humaine, une conscience africaine, une conscience panafricaine et même au-delà de l'Afrique. Donc, parmi les success stories, il ne faut pas oublier la forte résistance et résilience des sports et jeux traditionnels africains. Et je pense que ce qu'il y aurait probablement à faire, malheureusement, ce n'est pas d'abord du côté de l'offre de l'économie du sport. Parce qu'en fait, le raisonnement spontané qu'on a, surtout quand on est dans une réflexion un peu type agence de développement, etc., on va travailler sur l'offre et les institutions. Mais en fait, paradoxalement, il faut aussi travailler sur la demande. C'est-à-dire que plus on aura des élites, des jeunes formés, jeunes et moins jeunes, formés avec des réflexes coloniaux, c'est-à-dire avec une certaine forme d'aliénation, et moins ils accorderont de l'intérêt au sport, aux jeux et sports traditionnels. Parce que pour eux, ce serait évidemment un repoussoir jusqu'à ce que, malheureusement, c'est une image, mais jusqu'à ce qu'un Européen, un Américain découvre la qualité extraordinaire de ces jeux en face des jeux mondiaux. Alors là, les aliénés africains reviendront réapprendre les jeux de leurs ancêtres ou de leurs grands-parents. Mais je vous rassure, c'est déjà en cours, ça. Parce que si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a plusieurs jeux awale qui se jouent en ligne. Il y a des compétitions qui sont organisées en ligne. Il y a des jeux qui sont refabriqués en Asie et ailleurs. Vous voyez et ça se fait, malheureusement, c'est quelque chose qui se prend quand même sur un potentiel africain. C'est-à-dire que l'incapacité à promouvoir nos sports, nos jeux et sports et nos activités traditionnelles est une aubaine et une rente pour d'autres qui vont s'en servir et qui vont les promouvoir en notre place, à notre place. Donc, il y a aussi quelque chose qui se joue dans la désaliénation des élites africaines et à comprendre, leur capacité à comprendre et à lire leur propre monde comme étant un monde ayant également une valeur globale, valeur humaine, valeur culturelle, valeur patrimoniale, valeur économique, valeur financière. Je pense qu'il y aura donc ces deux aspects à travailler aussi, même si ce n'est pas, on n'a pas insisté dessus dans notre ouvrage, mais c'est une dimension extrêmement importante, cette décolonisation des mentalités
qui nous permettra de voir aussi la richesse et le potentiel de nos activités endogènes traditionnelles et qui nous permettra aussi de sortir les sports d'une façon générale de ce regard extrêmement dépréciatif ou essentiellement divertissant. Je pense que c'est un élément important sur lequel l'éducation peut travailler. Des ouvrages comme le nôtre peuvent également contribuer à cette forme de désaliénation. Et du côté de l'offre, il y aura aussi, à mon sens, avec la patrimonialisation mondiale, c'est important. Ça donne des références, ça donne de la dignité, de la notabilité, et ça autorise aussi certains à prendre des initiatives que eux ou elles n'auraient jamais prises s'il n'y avait pas eu ces éléments. Il n'y a rien de plus simple que d'organiser un championnat d'Awale, de Wari ou de Songo ou de Ngeka ou de ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas si compliqué que ça. Simplement, il faudrait pouvoir vouloir le faire. Et je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui pensent à ça. Je compte aussi sur ce changement de génération pour impulser ces mouvements de renaissance. Merci beaucoup, Martial. C'est très gai. Surtout ce qui revient dans votre intervention et dans l'intervention de Samra, c'est l'importance de la formation. La formation, la transmission, l'éducation, c'est clé dans la promotion d'un sport. Aujourd'hui, c'est lié vraiment à le développement de ce capital humain qui sont les futurs pratiquants du sport traditionnel, des sports modernes et les futurs même dirigeants de ce secteur en Afrique. Je vais rapidement demander à Gérard, surtout quand on parle des questions liées au capital humain et on parle d'un continent qui, au-delà de ses ressources naturelles, est très riche en capital humain, une jeunesse qui est vraiment forte, jeune, présente et qui est à l'origine de beaucoup d'innovations dans le monde, j'ose le dire et fièrement même. A-t-on les compétences, Gérard, pour que ces jeunes hommes et femmes talentueux et africains puissent effectivement devenir les acteurs d'une croissance durable de l'économie du sport en Afrique? Bonne question. Je vais regarder ça de deux façons. On a des compétences, il n'y a pas de doute dessus, on a des compétences. Et on en a pas mal, et quand on ajoute la diaspora, on a quand même beaucoup de compétences. Mais quand on regarde l'échelle de notre continent, on n'en a pas assez. Donc on est dans des nombres qui sont infimes par rapport aux besoins de compétences qu'on devrait avoir réellement pour avoir une dynamique entraînante. Donc ça, c'est un défi très important. On ne peut pas se contenter, et ça, je vais retourner un peu vers Martial sur la décolonisation des esprits. On ne peut pas se contenter des modèles de formation élitiste que nous ont cédé la post-colonie. On ne peut plus s'en contenter parce que nos besoins ne sont pas à une ou deux équipes, une équipe nationale. Nos besoins sont énormes en volume. Donc, on doit constamment penser échelle. Quand on parle de formation, de compétences, on ne doit pas penser, oui, on a quelques bons entraîneurs dans la capitale, on a un bon entraîneur pour l'équipe nationale, on a un bon manager ici ou là. Non. On doit penser combien en a-t-on pour tout le continent, ou si on se remet juste à l'échelle nationale, pour toute une nation. Donc, c'est pour moi, il y a une nécessité de remettre en question le modèle de formation qu'on continue de promouvoir. On veut avoir des programmes d'élite. Les programmes d'élite ont montré leurs limites depuis très longtemps. Ils sont nécessaires, ils sont importants, mais ils ne peuvent pas exister tout seuls. Il doit y avoir d'autres programmes, d'autres formes de programmes qui permettent de faire de la formation sur des échelles beaucoup plus larges. Autrement, on va continuer à avoir des gars très pointus, des compétences très pointues, mais qui n'ont pas d'impact, ou très peu. Et maintenant, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, la compétence qu'on a, pour qu'elle ait un effet d'échelle, il faut
des structures nationales ou continentales, ce qui n'existe pas. On a de très belles histoires à raconter, de super initiatives sur le continent, mais elles ne diffusent pas. Elles ne diffusent pas, et comme elles ne diffusent pas, elles ne transforment pas. Donc, et la capacité de diffusion, contrairement à la pensée, je dirais ouvertement, la pensée néolibérale qu'on est en train de nous injecter, le modèle de l'entrepreneur individuel n'est pas une solution. Il faut qu'il soit accompagné d'un investissement de l'État, de nos gouvernants, que j'interpelle, et on ne peut pas se contenter des entrepreneurs individuels. Les gouvernants doivent pouvoir récupérer ce qui se fait de bien et en assurer la diffusion. C'est à ça que sert l'école. L'université, c'est le haut d'une chaîne, par exemple, où la recherche, quelle qu'elle soit, elle donne des résultats. Et maintenant, il faut les mécanismes pour que ces savoirs qui sont développés au niveau de l'élite universitaire puissent diffuser dans la société. Et on prend souvent l'Amérique comme un modèle, les États-Unis, l'armée finance beaucoup de recherches fondamentales, les universités s'en occupent, mais ça diffuse après, ça rentre dans la société. Et c'est ce qu'on doit faire. Et on ne peut jamais se contenter de cette élite-là sans devoir mettre en place tout l'accompagnement qui permet la diffusion. C'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail qui pour moi est fondamental aujourd'hui. Il est fondamental si on veut vraiment faire de nos compétences un levier. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Martial. Merci, Samra. Et merci, Mo. Donc, de vos interventions, nous retenons que pour que le cadre favorable, pour promouvoir un cadre favorable pour la promotion de l'économie du sport, il faut effectivement des partenariats qui favorisent le développement de l'économie. Il faut plus de visibilité sur les questions de l'intégration de genre. Il faut la réforme des structures qui sont focalisées sur la formation. Tout à l'heure, Gérard a parlé de la restructuration des organisations de formation. Il faut aussi changer les méthodes et les méthodologies de transmission de ces différentes et de formation de ces différentes sports. Aujourd'hui, on a mentionné au début du webinaire que nous sommes ici aussi pour promouvoir certaines recommandations de ce livre. Je vois que beaucoup de personnes dans le chat demandent où on peut procurer le livre. Il y a un lien dans le chat où vous pourrez procurer le livre. Et nous savons que ce livre sur l'économie du sport propose différentes orientations et recommandations. Et ainsi, plus spécifiquement dans le sport, nous pouvons être d'accord que l'un des problèmes et des problématiques qu'on mentionnait d'ailleurs par nos différents intervenants rencontrés par les acteurs du secteur est la manque de données. Okay? Les recherches de la littérature telle que présentée par ce livre. Alors, je vais bien sûr revenir à Gérard et Mohsen qui, pour moi, représente bien sûr aussi Martial, des chercheurs, des personnes qui travaillent à un certain niveau et interviennent en tant qu'auteurs dans le développement du contenu. Pourriez-vous nous parler de l'importance de la recherche et le contenu sur le développement du secteur sportif et surtout sur le développement de l'économie du sport en Afrique? Merci. Je vais être bref parce que pour être honnête, j'ai hâte d'entendre les questions. Je vois beaucoup de questions dans le chat. Ma réponse va être vraiment très brève. Nous avons fait un travail avec les professeurs Vladimir Andreev et Michel Desbordes. Là-dessus, le corpus de données de recherche est très faible aujourd'hui en Afrique sur le sport. Et on ne parle pas juste de sport en tant qu'économie, mais aussi les sujets dont on parlait, par exemple Martial tout à l'heure, sport et histoire, sport et sociologie. Il y a vraiment beaucoup de choses à développer. Et ce sont vraiment deux des recommandations du livre et auxquelles je crois vraiment. Une, c'est investir dans la formation, enfin la recherche, mais multidisciplinaire. Là où je pense que j'ai le plus appris dans cette recherche, dans le travail sur le livre, c'est en parlant avec des gens qui avaient une autre compétence que la compétence sportive et qui étaient capables de nous amener une perspective différente qui enrichissait les pratiques des organisations sportives.
Et je suis sûr que dans le webinaire, beaucoup d'auditeurs sont peut-être informaticiens, sont peut-être dans la biologie, dans la géologie. Il y a plein de choses à apporter au sport parce que le sport n'est pas une discipline complètement à part. Elle est connectée à toutes les autres disciplines. Donc ça, la recherche multidisciplinaire, très importante. Et deuxièmement, nous avons recommandé de créer un observatoire qui permettrait de définir une méthodologie qui serait appliquée par les pays qui souhaiteraient le rejoindre ou le soutenir et qui nous permettrait, au bout de 5 ans, d'après une évaluation, d'avoir des données claires sur ce qui se passe déjà chez nous en termes de pratiques sportives des Africains, donc en termes de consommation de produits sportifs et aussi de rôle du sport dans le développement, donc dans l'éducation, dans la santé et le rôle aussi dans la culture, comme on en parlait un peu tout à l'heure. Donc, ce sont vraiment des éléments de base et je pense qui nous rendraient fiers de ce qui se passe déjà en Afrique, de ce qui se passe dans les différents pays voisins et qui serait déjà une source assez large pour enrichir et pour motiver les collaborations entre Africains. Merci beaucoup, Mohsen. Je pense qu'on va directement passer aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais commencer par Madame Zoumana Sow. Madame Zouma Sow dans le chat pose la question. Pourquoi ces industries d'équipements sportifs ne sont pas vraiment impliquées en Afrique? Je vais laisser peut-être la parole à Mo ou à Gérard. Oui. Le problème des équipementiers, il est plus complexe que juste le sport. On est dans une dynamique d'industrialisation, on est dans une dynamique de capital, on est dans une dynamique de globalisation. Parce que les équipementiers qu'on connaît, Nike, Adidas et tout ça, ils sont dans une chaîne globale. Il faut que le design et puis la production, tout ce qui est manufacturing, je ne sais plus, se fait en Asie. Ouais, fabrication. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup plus complexe que juste l'Afrique. Et ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est le pouvoir d'achat de l'Afrique. Le pouvoir d'achat de l'Afrique. D'abord, le pouvoir d'investissement, accueillir les investissements en Afrique n'est pas toujours le plus attractif. L'Asie est beaucoup plus attractive, elle a les compétences, elle a la machine, elle a l'engineering, elle a les machines pour produire. L'Afrique ne les a pas. Et on ne travaille pas beaucoup dessus. Ensuite, il y a un facteur de pouvoir d'achat qui n'est pas en notre faveur. Les termes de l'échange martial et économiste, il pourra parler de tout ça. Les termes de l'échange, font que ils n'ont pas intérêt à être impliqués en Afrique. Combien de gens vont acheter des vêtements Nike neufs, des chaussures Nike neufs? C'est une réalité du continent. Ouais. Ben, en fait, c'est véritablement ça. Aujourd'hui, on va parler déjà des équipementiers internationaux. La raison pour laquelle ils s'engageraient en Afrique, c'est s'il y a une opportunité qui est clairement définie. Donc, lorsqu'on parlait de recherche tout à l'heure, ça aide déjà à mieux comprendre ce qui se passe en Afrique. Et c'est vraiment un discours que j'ai entendu de beaucoup de dirigeants d'entreprise, qu'ils soient équipementiers ou dans d'autres secteurs. C'est que nous n'investissons pas dans le sport en Afrique parce que nous n'avons pas de visibilité sur ce qui s'y passe. Et deuxièmement, sur la gouvernance, c'est-à-dire un manque de transparence des organisations qui leur permettrait de s'engager avec au moins la croyance ou peut-être les preuves d'un retour sur investissement. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, et on a parlé tout à l'heure de Nike, de l'étude de cas Nike et du maillot nigérian, et une des questions justement mises en valeur, c'est pourquoi est-ce que Nike n'utiliserait pas cette étude de cas comme preuve d'un potentiel de production au Nigeria? D'accord? S'ils sont capables de vendre 3 millions de maillots en une heure, alors ils seraient sûrement capables d'en vendre 50 millions s'ils étaient capables justement de produire localement à un coût moindre. Et là, on arrive, et j'ai vu une question dans le chat tout à l'heure, sur quel est l'environnement du business en Afrique. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce sujet-là, au niveau du cadre juridique, au niveau du cadre de sécurité, des infrastructures. Quelles sont les conditions qui sont créées pour que des investisseurs, des entreprises ouvrent des usines en Afrique? Et là, il y a pas mal de travail à faire, et là, ce serait vraiment un long sujet. Et une troisième idée par rapport aux équipementiers, c'est qu'en est-il des équipementiers africains? Parce qu'il y a ça aussi. Et il y a quelques marques déjà qui ont commencé à sponsoriser des équipes nationales de football qui commencent à se développer en Afrique. Et il y en a notamment 2-3 sur lesquelles nous allons bientôt écrire qui non seulement produisent en Afrique, mais proposent des modèles éthiques qui permettent justement de partager la richesse
et d'utiliser des techniques qui sont ancestrales et qui protègent la nature. Donc là, c'est intéressant. Plutôt que de juste copier ce qui se passe en Chine, ce serait de se dire comment est-ce qu'on pourrait, en utilisant nos valeurs, nos techniques, produire quelque chose de qualité et qui donne envie à des consommateurs qui aujourd'hui recherchent de plus en plus à se différencier par leurs achats. Merci beaucoup, Mo. Nous allons passer à la prochaine question de M. Kofi Sika Lazo, qui demande quelle est la perception de nos intervenants sur la digitalisation du sport. Oui, je peux en dire un mot. Bon, la digitalisation du sport, aujourd'hui, ce qui se passe, en tout cas ce que nous avons vu dans cette étude, c'est que c'est assez, on va dire, comme une schizophrénie, on va dire. C'est-à-dire que d'un côté, les consommateurs africains utilisent énormément le digital, notamment à travers le téléphone mobile, d'accord ? Donc, il y a eu comme un saut technologique, d'accord ? Étant donné que les infrastructures qui permettraient d'utiliser le téléphone fixe ont eu beaucoup de retard, il y a un saut directement vers le mobile. Donc, on se dit, il y a un potentiel, et lorsqu'on voit ce qu'a fait M-Pesa, par exemple, qui est vraiment une étude de cas dans les plus grandes écoles de leadership du monde, on se dit, il y a un potentiel. Donc, il y a une population jeune qui a un intérêt pour la technologie et qui donc pourrait consommer du sport grâce à cette technologie. Mais le problème et le grand frein, c'est vraiment les infrastructures. Aujourd'hui, les infrastructures, et nous avons posté là-dessus quelques informations sur la page d'ASCI, il y a vraiment un énorme gap, on va dire, un énorme retard sur les infrastructures. Et sans qu'on rattrape ce gap, ce retard, pas grand-chose ne pourra être fait, tout simplement. Donc, lorsqu'on a des gens qui ne peuvent même pas accéder à l'électricité ou à l'eau, comment est-ce qu'ils pourraient accéder, on va dire, à des infrastructures digitales? Donc, c'est vraiment là, du coup, un effort de fond. Et le sport pourrait, on va dire, si l'opportunité d'investissement dans le sport devient intéressante pour les dirigeants, ça pourrait être une motivation de plus. Mais finalement, ça ne peut être qu'une motivation de plus. Ça ne peut pas être la raison principale de ce rattrapage au niveau des infrastructures. Merci, Mo. En parlant de l'importance des infrastructures pour une meilleure pratique de sport, surtout dans le digital, il y a quelqu'un dans l'audience qui demande si... la question, en fait, c'est ne pensez-vous pas que si l'économie du sport ne profite pas aux Africains, c'est à cause de la gouvernance des politiques africaines? Je vais donner cette question à Gérard et Martial. Ouais. Oui, alors moi, c'est vrai que je voulais déjà rebondir sur la question en fait, ce dont on parle aussi, c'est le sport dans le contexte du développement. Le sport africain dans le contexte du développement. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui freine les investissements, etc. Et déjà, il faut voir qu'il se produit dans le sport quelque chose qui est un peu analogue à ce qui se produit dans l'économie des matières premières, où en gros, l'Afrique, ça reste malgré tout de la matière première. Donc, on organise une migration des sportifs, etc., etc., des grands talents. On les peaufine, en guillemets, ou on crée leur valeur additionnelle sur les marchés où il y a le plus d'argent, c'est-à-dire, en gros, la triade, hein, principalement l'Europe, les États-Unis, et ensuite, en fin de cycle, ils peuvent aller en Asie. Mais on n'imagine pas ces marchés comme étant des marchés où va se développer une économie du sport avec une offre et une demande, des équipementiers, etc., etc. D'abord parce que le marché n'est pas suffisamment lisible à ces niveaux-là, qu'on n'a pas toujours toutes les informations, et puis parce que pour le moment, on considère que prise globalement, l'Afrique n'a pas suffisamment la capacité d'absorption des grands capitaux, ne va pas produire la rentabilité qu'on pourrait attendre sur d'autres continents. Mais ça n'enferme pas pour autant le débat, parce qu'en réalité, c'est ma position, quand on voit quelques success stories qu'on a pu mettre en avant, par exemple l'Égypte qui aujourd'hui gagne tous les championnats, toutes les coupes d'Afrique quasiment de clubs en matière de football, c'est à partir d'un championnat essentiellement professionnel, local. Donc, il y a des modèles locaux. Donc, il y a des supporters, donc il y a du sponsoring, etc. Ce sont des modèles locaux. Quand vous voyez l'Angola qui, depuis je ne sais pas combien d'années ou décennies, gagne les championnats de basket africains,
c'est principalement avec des joueurs locaux. Maintenant, ils commencent à avoir, je crois, un ou l'un ou l'autre joueur en NBA, vraiment sous réserve de ceux qui connaissent cette question-là. Mais principalement, c'est quand même avec des joueurs locaux. Ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas toujours attendre le Messi qui viendrait de l'extérieur pour développer ci ou ça. Il y a des possibilités et des capacités locales qu'il faudrait être capable d'imaginer et de mettre en avant. Je fais un pas de côté, comme j'aime bien. Je prends le cas de ce qu'on appelle de Nollywood, voyez-vous, dans le domaine de la culture. Personne n'aurait pu imaginer que l'industrie du cinéma du Nigeria, qui a démarré plus ou moins artisanalement, avec de l'argent du Nigeria, avec les moyens nigérians, des acteurs nigérians, personne ne pouvait imaginer que ce soit aujourd'hui quasiment l'industrie qui produit le plus de films au monde et qui a un marché local extrêmement puissant qui maintenant se déploie vers l'international. Donc, il ne faut pas sous-estimer les capacités locales, même en termes de financement. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, il y a des architectures qui peuvent être trouvées. Elles ne sont pas forcément celles qui sont apprises et étudiées dans les grandes écoles, mais vous savez, l'investissement, ça peut partir de, ça va de la tontine jusqu'au partenariat privé-public. Évidemment avec le rôle de l'État qui peut soutenir. Savez-vous que lorsque, pour Nollywood, l'État nigérian s'était posé la question à un moment donné, mais est-ce qu'on peut soutenir, comment on pourrait soutenir? Eh bien, ils ont réfléchi et il y en a qui ont dit, autour de, je crois que c'est à l'époque du président Obasanjo, qui ont dit, vous savez, finalement, ils s'en sortent tellement bien sans nous que peut-être que si on investissait là-dedans, on risquerait de nuire finalement à cette filière. Et c'est resté une filière privée. Voyez, donc il ne faut pas aussi partir avec trop de modèles préconçus et trop de résultats à l'avance, parce que précisément les processus d'émergence ont des bifurcations, des nuances, des différences, des formes d'idiosyncrasie, des îlots locaux qu'on n'avait pas imaginés avant. Par contre, c'est important qu'il y ait à chaque fois un capital humain qui est capable d'imaginer des nouveaux futurs, qui est capable d'imaginer des nouveaux schémas, des nouvelles façons d'investir, des nouveaux types de compétitions qu'on n'imaginait pas avant, etc. Ça, c'est extrêmement important. Si on peut avoir ça, eh bien, on aura des îlots qui vont se dégager. Bien évidemment, la question de la gouvernance, des rentes, bien sûr, c'est une question qui est importante et elle sera toujours importante partout. Mais peut-être deux éléments à mettre en avant pour terminer. Les domaines du sport, comme de la culture dans les grands développements, ils sont souvent tributaires, c'est souvent ça, de certaines formes de mécénat, de certains un dirigeant qui va avoir une vision ou alors qui va avoir un intérêt particulier pour une activité, pour un sport, pour un musée, et qui finalement va libérer un peu les énergies. Quelquefois, ça fonctionne aussi un peu comme ça. Même en Europe aussi, ça fonctionne comme ça, dans le domaine de la culture, les fondations, etc., y compris dans le domaine du sport, dans le basket, vous avez la création de ligues. C'était souvent des gens qui avaient un peu ça en eux. Ils avaient envie de lancer quelque chose. Donc, une fois qu'on crée les conditions avec de la connaissance, avec de la formation, avec de l'information, il y a aussi, à un moment ou à un autre, des formes d'émergence qu'on soutient bien évidemment, mais il ne faudrait pas trop préjuger non plus des modèles qui vont se développer. Merci beaucoup Martial. Je retiens surtout l'importance de créer le cadre. Tu as utilisé l'exemple de Nollywood qui est un exemple assez important. Donc le cadre est créé pour que les acteurs du secteur privé puissent faire leur travail. Je vais passer à la prochaine question de Zoumana Sao toujours, qui demande pourquoi nos médias africains préfèrent investir des millions sur le championnat européen au détriment de nos championnats locaux. Tout à l'heure, Samra, tu as mentionné l'importance de la visibilité et des médias aussi sur tout ce qui a à voir avec la promotion de l'économie du sport. Peux-tu répondre à cette question? Oui, merci Maureen. Bah, je peux commencer à répondre. Je pense que ça touche un sujet plus large qui est celui de l'investissement privé dans le secteur du sport et cette question finalement de modèle économique. Et je crois que Marcel vient de soulever un point vraiment important, c'est que dans l'histoire du financement et d'ailleurs des investissements privés, que ce soit des individus, pendant longtemps, on n'a pas eu ces exigences, en tout cas dans le secteur du sport et en Europe aussi,
en termes de rentabilité économique. C'est encore le cas, même si on prend l'exemple de clubs de foot, où il y a des passionnés qui injectent leur argent personnel parce que le sport, c'est bien plus qu'un business et parce qu'ils sont fiers de porter les valeurs d'un club ou d'une ligue et de mettre en avant ce spectacle du sport. Et donc, je pense qu'il y a en effet, sur cette question-là, la question du modèle économique peut-être encore en Afrique qui reste à prouver en termes de marché, parce que quand on fait une décision d'investissement, on regarde quel est le marché potentiel et quelle est la solidité de la structure dans laquelle on investit. Donc peut-être cette question de marché en termes d'exposition, lorsqu'on investit dans une ligue, qu'on est un média, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes à travers cette ligue. Donc, c'est le potentiel d'exposition, de visibilité, le nombre de fans. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas encore toutes les données. C'est peut-être aussi une solution qui paraît plus simple ou plus sûre. Mais en tout cas, sur cette question, il y a aussi un rôle peut-être des institutions publiques dans le financement à peut-être initier aussi et à différents mécanismes des associations qui peuvent être pensées pour aussi réduire le risque qui est perçu par les investisseurs privés en injectant, en commençant à financer ces initiatives de manière un peu plus souple. Mais je pense qu'en effet, c'est important de rappeler que sur ces secteurs comme le sport, comme l'art, comme la culture, il y a bien sûr une demande et il faut qu'on progresse à travers les données pour montrer toute la pertinence du marché sportif africain. Mais il y a aussi, je pense, une question d'envie et de valoriser les ligues locales et le potentiel, surtout quand on voit l'engouement que ça crée dans les stades. Là, la question, c'est comment ensuite on traduit ça sur les relais télé et notamment il y a des plateformes aussi maintenant plus mixtes, tout ce qui est OTT qui propose des solutions différentes avec peut-être des investissements moins chers. J'ai entendu parler aussi récemment de la lutte sénégalaise qui a rentré dans un nouveau partenariat en relation avec la MMA. Donc je pense qu'il y a des choses aussi qui bougent, donc il y a à la fois il faut continuer à prouver la rentabilité de ces modèles, mais il y a aussi peut-être, c'est aussi convaincre de l'importance d'investir dans le sport local. Merci beaucoup, Samra. Maureen, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce que peut-être que Gérard peut ajouter deux, trois éléments là-dessus, okay. Parce que c'est vraiment une partie du livre qui couvre un sujet okay. qui est rarement traité dans Absolument. Dans la recherche. À propos des médias, oui, les médias peuvent jouer un rôle. Je vais faire peut-être plus simple. Il y a une équation qui est très ce que Samra a mentionné, c'est l'audience. C'est l'audience qui fait toute l'économie des médias. S'il n'y a pas d'audience, les médias ne sont pas intéressés, pas assister, pas couvrir des événements où il n'y a pas de spectateurs. Et ça, c'est l'économie basique de la relation médias, surtout télévision, tout ce qui est télévision, Internet et l'événement sportif. Et là, il y a des solutions, l'OTT, over the top, ce qui est la distribution par Internet, elle apporte des possibilités. Et il y a des fédérations qui sont embarquées dans ce processus-là. Mais c'est toujours un processus qui n'est pas encore économiquement prouvé en Afrique, il a de la validité dans beaucoup d'autres secteurs parce que le sport africain ne mobilise pas encore des audiences de masse. Mais il y a des expériences. Et il n'y a pas longtemps discuté avec le vice-président de la Fédération africaine de tennis de table. Ils essayent. Badminton, ils ont monté carrément leur système pour pouvoir distribuer leurs événements. Et la logique pour eux, c'est de promouvoir l'événement d'abord. Ce n'est pas la relation économique, c'est promouvoir l'événement. Emmener plus de gens à être exposés à l'événement. Donc, quand on parle de médias, le plus gros déficit que le sport africain a aujourd'hui, et quelqu'un l'a mentionné dans le chat, c'est l'absence de spectateurs. Et ça, c'est le béaba de tout ce qui va suivre après au niveau économique.
si tu n'as pas de spectateurs, tu n'as pas de sponsors, tu n'as pas de sponsors, tu n'as pas de médias. Donc, il faut des spectateurs. Et c'est le défi du sport africain. Comment emmener les gens à aimer le sport qu'on pratique à une certaine échelle afin que tout ce qui est chaîne économique s'y intéresse et puisse supporter le travail de ceux qui pratiquent le sport. Ça, c'est un défi. Il y a des pistes de réflexion dessus au niveau de l'identification, au niveau de comment les clubs... Il y a plein de facteurs, mais le premier facteur, quand on parlait de Nollywood, quand on s'appelle Hollywood, pourquoi ça marche? C'est l'identité culturelle. L'identité culturelle, ce qu'on appelle la proximité culturelle, est telle qu'on consomme ce qu'on aime, ce qui nous ressemble, ce qui est proche de nous. Peut-on faire ça avec le sport? Si on peut le faire, il faut y réfléchir. Il faut que le club ou l'activité sportive soit proche de nous, qu'elle nous dise quelque chose. Il y a deux facteurs qui sont les plus importants, et même au niveau business, au niveau branding, au niveau marketing. Il faut gagner le cœur et l'esprit des gens. Et avec le sport, c'est ce qu'on doit faire. Est-ce que les gens vont aimer ce qu'on fait? Est-ce qu'ils vont s'identifier? Les équipes nationales marchent. C'est le seul fil qui tient encore. Ça marche parce qu'on a l'identité nationale. Si on coupe ce fil-là, il n'y a plus personne dans les stades. Donc, c'est le travail qui est un chantier gigantesque, qui est faisable si on s'y attelle et qu'on réfléchit. C'est le travail de l'identification de nos sports aux populations, à tous ceux qui vont les aimer et les consommer, pour pouvoir les consommer. Et là, la chaîne vertueuse va se mettre en route. Maureen, est-ce que je peux avoir un mot pour poursuivre ce que vient de dire Gérard? Vraiment un mot, parce que ce qu'il dit est absolument essentiel. Mais il y a une boucle qu'on devrait peut-être boucler, en toute honnêteté. À partir du moment où les joueurs qui se font remarquer au niveau national, quels que soient les sports, sont récupérés et vont dans les grands sports et dans les grands championnats internationaux. Le public va les suivre dans ces championnats internationaux. L'attractivité des championnats locaux va diminuer avec les questions de gouvernance qu'on a rajoutées, qui ont été mentionnées tout à l'heure. Et du coup, on a des championnats locaux qui sont de plus en plus vides. Les joueurs, à peine ont-ils explosé, à peine sont-ils consistants, ils sont déjà repartis pour l'étranger. Donc, évidemment, les gens n'ont pas envie de regarder des spectacles sportifs dans lesquels il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils préfèrent regarder, les Algériens vont préférer regarder Mahrez à Manchester City, par exemple, vous voyez, comme à l'époque, les Ivoiriens allaient regarder Drogba à Chelsea ou ailleurs, ou les Camerounais, Eto'o à Barcelone ou ailleurs, vous voyez. Et ce phénomène aussi d'ouverture à la migration internationale des joueurs, d'une façon un petit peu, pas brutale, mais voilà, d'une façon un peu trop libéralisée, elle a beaucoup fragilisé les championnats locaux, il faut bien le dire aussi. Et la mauvaise gestion des championnats locaux également a contribué à renforcer en fait cette désaffection vis-à-vis des championnats nationaux. Ai-je été suffisamment court, madame? Merci beaucoup, Martial. Ces contributions pertinentes. Je regarde le chat et il y a tellement de questions intéressantes que j'ai envie de poser. Mais je rappelle à l'audience que même quand on va clôturer le webinaire, vous aurez l'opportunité d'interagir avec nos panélistes. Je vais justement appeler quelqu'un qui est là, qui a contribué. D'ouvrir le micro pour qu'il puisse prendre parole et poser sa question, parce que surtout il a été contributeur à ce livre et sa question peut vraiment aussi adresser différents éléments mentionnés dans le chat. Merci. Écoute, en attendant qu'il se connecte, je vais prendre une autre question dans le chat rapidement. Cette fois, venant de Gildas Ngonsoro, j'espère que j'ai bien prononcé, excusez-moi en avance. Quel est le ressenti des grandes instances africaines du sport sur les différentes recommandations relevées dans le livre « Économie du sport en Afrique »
comptent-elles prendre en compte ces recommandations dans leur stratégie pour entamer un développement harmonieux du sport en Afrique? Je pense que cette question va d'abord être répondue par Mo et Gérard, et même d'ailleurs les autres panélistes, parce que vous avez tous contribué à l'élaboration de ce livre. Oui, merci. Alors, il est juste trop tôt pour répondre à cette question, parce que finalement, nous avons échangé avec des dirigeants des différentes instances. J'ai mentionné Mme Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, qui nous a accordé un long entretien, M. Amadou Gallofal de la Basketball Africa League. Donc, nous avons eu beaucoup d'échanges, mais aujourd'hui, ce sont des organisations qui cherchent du savoir aussi, de la recherche. Et je pense qu'on leur a montré que c'est une première étape et qui permet de voir un petit peu la crédibilité du travail avant de pouvoir réfléchir à comment utiliser ce savoir-là. Et c'est pour ça que la partie qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de mettre en valeur des succès africains et de mettre en valeur du coup des personnes, des organisations qui pourraient être approchées, je l'espère, par ces dirigeants. Maintenant, s'il y a un sujet sur lequel les différents dirigeants d'organisations sportives africaines étaient d'accord, c'est mettre le sport de masse au cœur de leur stratégie. Donc, même lorsqu'on pense à la FIFA, on pense football de haut niveau, mais finalement, la FIFA organise aujourd'hui des tournois scolaires, universitaires. Donc, l'idée, c'est ils ont bien compris qu'il fallait aller à la base, donner l'envie, donner les infrastructures, l'encadrement aux jeunes, pour leur donner envie justement de s'engager dans cette voie-là qui est la voie du sport, qui est aujourd'hui en France, en Afrique, souvent en concurrence avec l'école. Ça, c'est très étonnant. Dans nos discussions, même avec des gens qui ont des très belles carrières dans le sport, leurs parents mettaient toujours le sport face à l'école. Alors, si on connectait le sport et l'école, ça permettrait justement d'amener beaucoup de jeunes femmes, jeunes hommes à étudier tout en continuant la pratique sportive. Et Maureen, je vois que Aziz Daouda est maintenant connecté. Tu peux peut-être lui poser la question. Oui, je suis là. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. Je remercie Mohsen qui m'a transmis le lien. Et j'étais vraiment très, 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 très enchanté et honoré de participer, mais surtout d'entendre la valeur et le niveau des interventions. Et je peux vous assurer que c'est rare quand on organise quelque chose au niveau africain et que ce soit de ce niveau-là. Alors, ma petite contribution, si vous permettez, elle vient du fait que moi, j'ai toujours des difficultés avec la sémantique. Bien évidemment, quand on parle d'Afrique, et là, j'étais très content d'ailleurs d'entendre Gérard surtout et je crois Martial aussi parler du niveau de la formation, etc. Parce qu'un des facteurs de la réussite de tout système, et notamment en matière d'activité physique et de sport, c'est le degré d'intégration de la connaissance scientifique ou des connaissances scientifiques. Et là, malheureusement, nous avons un déficit énorme parce que quand vous regardez le niveau des institutions qui forment pour l'éducation physique et le sport, ou instituts ou facultés ou etc., le niveau n'est pas celui qu'on aimerait pour notre continent. Donc, déjà au départ, nous partons avec un handicap. Alors, c'est ce qui fait que dans beaucoup de disciplines sportives, dès qu'on arrive à un certain niveau, on est obligé de faire appel à des étrangers, enfin des ressortissants qui ne sont pas africains, pour apporter un coup de main ou essayer d'aider. Mais malheureusement, nous avons fait de ce système une institution carrément. C'est-à-dire que nous avons admis, nous, Africains, qu'à partir d'un certain niveau, nous n'étions plus compétents. Et donc, c'est quand même dommage parce que vous excluez comme ça, ou vous excluez comme ça, enfin, ceux qui pensent ainsi, ils excluent toute compétence africaine, toute possibilité de promotion. Parce que si on regarde l'historique des performances africaines, Dieu merci, depuis certaines années, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, nous commençons à avoir des noms africains associés à des performances africaines. Mais là, alors, à côté de ça, il y a une autre problématique dans laquelle nous tombons nous-mêmes africains. C'est quand nous voulons globaliser les choses au niveau de l'Afrique. Nous oublions les dimensions géographiques, les dimensions physiques de l'Afrique. Et donc, physique sur le plan géographique, mais également sur le plan démographique et sur le plan culturel. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques au plan culturel. Et donc, à chaque fois qu'on a voulu globaliser, on est tombé dans l'excès. Et donc, certains parmi nous, si moi je parle, je ne sais pas moi, quelqu'un du Kenya ne va pas se retrouver dans ce que je dis. Ou si quelqu'un d'Afrique du Sud parle, un Égyptien ne se retrouverait pas dans ce que l'Africain du Sud est en train de dire, etc. Et donc, je pense que sur le plan intellectuel, on devrait justement nous réadapter ou réviser cette façon de traiter la problématique en Afrique et d'essayer au moins de ne plus globaliser certaines choses. Parce que quand on parle, par exemple, de la présence féminine dans le sport, on globalise rapidement, alors que la réalité est tout autre.
Il y a 20 ou 30 ans, déjà, certes, beaucoup de pays africains avaient atteint les normes alors exigées de plus de 30% dans la participation. Et donc, de quoi nous parlons? Oui, mais par contre, il existe encore des régions en Afrique où, effectivement, la femme est sous-employée ou sous-estimée en matière d'activité physique, etc. Bon. Alors, une autre problématique dont je voudrais rapidement parler, si vous me permettez, toujours dans cette question de sémantique, c'est que quand nous parlons de sport, nous globalisons encore le concept et nous le rendons difficile d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous parlons de sport, si nous amusons aujourd'hui avec tous les participants à demander à chacun de définir le sport, chacun aura sa définition. Or, le sport n'est qu'un aspect de la pratique physique, qui est la pratique de compétition, pour désigner des élites, etc., etc. Bien évidemment, cette partie-là a son économie. Mais il y a une autre économie qui est extrêmement importante, qui est celle de l'activité physique, et qui elle, est liée strictement, mais vraiment d'une manière très, 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 très organique, au système de santé. Et si nous arrivons à expliquer aux dirigeants africains que l'activité physique est le premier palier dans tout système de santé, en la dissociant du sport, parce qu'il est maintenant erroné de penser que le sport de masse induit automatiquement un sport d'élite. Le sport de masse a une corrélation avec le sport d'élite, mais elle est très, très basse. Aujourd'hui, les sportifs d'élite sont des gens formés dans des institutions spécialisées à partir d'opérations de détection, etc. Ce sont des gens exceptionnels qui sont placés dans des systèmes exceptionnels et qui donnent des résultats exceptionnels. Si vous regardez le Kenya, par exemple, vous avez parlé du Kenya ou de l'Éthiopie, etc., c'est le résultat d'un travail systématique. Ce n'est pas juste un hasard. Il y a un travail systématique qui est fait sur une élite qui, elle, a le potentiel. Les résultats du Maroc sont la même chose, les résultats de la Tunisie. La Tunisie, par exemple, a des performances pratiquement dans la quasi-totalité des sports en Afrique parce que, justement, ils ont un bon système de formation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un sport de masse très développé. Or, donc, ce qu'il faut développer, c'est une catégorie moi, que j'appelle, en fait, quand j'essaie de théoriser ces choses-là, que j'appelle la base de masse du sport de performance, qui, elle, fait la jonction, en vérité, entre le sport de masse ou l'activité physique de masse et le sport. Et c'est-à-dire, ce sont ces élites scolaires, ces élites universitaires, ces élites dans les quartiers ou dans les centres de formation, etc., qui, eux, sont à un palier moindre que le sport de performance, donc le sport de compétition et le sport d'élite. Et c'est sur ceux-là qu'il faut investir, et c'est ceux-là qui vont nous permettre de dégager un produit qui pourra par la suite être commercialisable et être le comment dire ces choses-là. Mais encore une fois, je suis ravi, j'étais vraiment très heureux d'entendre le niveau des différentes interventions. J'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aziz. Je pourrais vous écouter toute la soirée. Franchement, j'ai retenu différents aspects. Déjà, la contextualisation du sport, qui est extrêmement important. Je pense que Martial a aussi touché ça de manière différente, et même Gérard. Il y a aussi la contextualisation des modèles économiques et les modèles de développement. Et je pense qu'on peut être d'accord que dans tous les différents secteurs en Afrique, quand on parle de développement, il faut vraiment contextualiser. Et j'ai vraiment aimé le fait que vous avez rappelé le fait que quand on parle des questions d'équité et de genre en Afrique était avant tout un continent matriarcal où les questions d'équité de genre étaient perçues différemment. Et bien sûr, les choses ont évolué et dans différentes communautés, il y a d'autres réalités. Merci beaucoup à M. Aziz Daouda. On va rapidement clôturer ce webinaire, mais avant de clôturer, je vais d'abord remercier les différentes panélistes et poser une toute dernière question. Vous avez beaucoup partagé aujourd'hui, mais j'ai vraiment une dernière question. Selon vous, quelle est la principale chose que vous aimeriez que le public retienne de ces interventions? Vous avez partagé tellement de points pertinents que ce public a réagi dans le chat. Il y a tellement de questions. J'ai vraiment eu un embarras de choix. Mais que pensez, que aimeriez-vous que le public retienne de ces interventions? Et comment pensez-vous que celles-ci pourraient contribuer au développement du sport en Afrique? En quelques petites minutes, vous avez 6 minutes. Donc, top chrono. Je veux bien commencer, je vais répondre très rapidement. Je pense que, enfin, je me pose la question,
Je ne sais pas ce qu'il y a eu de plus important finalement entre les échanges qu'on a eu nous, entre nous six, et ce qui se passait dans le chat. Je pense que c'est la première fois où je participe à un panel pour ma propre expérience où il y a autant de réactions, de commentaires, de questions. Et je pense que ça signifie énormément de choses sur l'intérêt qu'il y a sur cette thématique et la demande à répondre à ces questions, à s'organiser ensemble. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un message fort et qu'on doit tous réfléchir à comment transformer ça en quelque chose de plus grand, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de remarques et beaucoup d'interventions et donc beaucoup d'intérêt pour ces thématiques. Donc, moi, c'est en tout cas ce que je retiens et ce que je voulais partager en conclusion. Merci, Samra. Gérard? Il y a tellement de choses qui ont été dites, je ne sais pas si je peux dire voilà ce qu'il faut retenir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne doit pas arrêter la réflexion. Et on doit toujours prendre en considération les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Mais la réflexion doit continuer. Je fais la mienne tout le temps avec d'autres en discutant sur ce panel. Ça a été un objet de réflexion pour moi aussi et tous les commentaires dans le chat. Tout ce que je veux dire, c'est continuons de réfléchir, continuons de chercher les solutions et on avancera. Merci Gérard. Martial? Alors, je vais citer Ngugi Wa Thiong'o et son ouvrage iconique, Decolonizing the Mind. Ça voudrait dire que nous pourrions, tous et chacun, et je suis vraiment très en ligne avec ce que disait Aziz par certains aspects, nous pourrions commencer, tous et chacun, par accorder de l'importance à l'ensemble des activités ludo-corporelles, sportives, pas encore sportives, qui nous entourent, et qui sont en fait un énorme potentiel à la fois de bien-être, de cohésion sociale, mais également de création de richesses, de création de valeurs autour de nous. Je m'arrêterai là et je pense que c'est un petit peu dans cette optique, en tout cas, que mon propos a été à chaque fois engagé. Merci à tous les collègues panélistes, hein, ça c'est clair. Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Et puis, merci aux participants. Merci. Excellente présentatrice. Merci, compatriote. Je vais donner la parole à Mohsen, vous terminez. Oui, merci. Alors, en fait, il y a une chose très simple, et j'en ai parlé plusieurs fois, c'est nous sommes cloisonnés dans nos frontières, cloisonnés dans nos disciplines. Parlez à votre voisin. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai lancé l'Institut avec mon équipe, des gens qui faisaient différentes choses, d'origine de différents pays, et c'est en discutant de notre passion commune qui est le sport, et de ce que chacun pourra apporter, qu'est né le projet. Donc faites de même, parlez à vos voisins, aux gens qui partagent la passion du sport avec vous, et réfléchissez à ce que vous pourriez faire vous-même, sans attendre de structure, comme le disait tout à l'heure Martial, ce n'est pas la structure qui fera l'opportunité partira de vous. Donc c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui ce savoir, il y a tellement d'autres choses qu'on aurait aimé partager avec vous, mais ce sera j'espère pour un prochain événement. Merci, 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 merci beaucoup. Bon, merci à tous les panélistes. Je vais revenir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre est disponible en ligne. J'invite vraiment tous notre audience, nos participants à acheter une copie. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'économie du sport en Afrique. C'est disponible en ligne. N'hésitez surtout pas à écrire dans le chat si vous avez besoin de plus d'informations. J'aimerais remercier les deux institutions qui ont organisé ce webinaire. D'une part, le African Sports and Creative Institute et Sports Africa. J'aimerais aussi remercier cette audience qui a beaucoup suivi avec attention nos échanges, qui s'est engagée dans le chat, qui a posé des questions. D'ailleurs, ne partez pas. Vous aurez l'opportunité pour échanger avec les panélistes dans le chat. J'aimerais aussi remercier ces institutions et ces personnes qui ont rendu ce livre possible, qui ont contribué à rendre la publication de ce livre possible. Il y a notamment l'Agence française de développement que vous connaissez tous. Il y a Sport en commun qui existe
depuis bientôt 2 ans. Et des différents intervenants que je ne saurais citer. Merci pour votre contribution. Merci de contribuer au développement des données qui sont importantes pour le développement de notre secteur en Afrique. C'est un honneur pour moi. Moi, passionnée de sport, de modérer ce webinaire, et j'espère qu'on va continuer à s'engager, qu'on va continuer à travailler ensemble. Il y a certaines choses qui ont été dites, et moi, je retiens que l'unité, le partnership, le partenariat entre parties prenantes est important, la collaboration, la structuration, les Maureen, on t'a perdu. Oui, Maureen, pourrais-tu répéter le dernier message, s'il te plaît? Oh, désolé, je pense que vous m'avez perdu. On a perdu la dernière phrase. Oh, OK. Donc, je disais qu'il était important de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de retenir plusieurs choses, notamment qu'il faut que nous, entre acteurs de ce secteur de l'économie du sport en Afrique, on reste soudés, on essaie de travailler ensemble, tisser des liens, des partenariats qui vont contribuer au développement des projets dans le secteur sportif. Il faut surtout qu'on continue de contextualiser nos différents modèles, les différentes interventions, et savoir que, comme les différentes intervenants ont dit, et même l'audience, il y a différents contextes en Afrique. Nous parlons d'un continent riche en culture et en savoir, donc il faut vraiment trouver des moyens, d'une part, de mutualiser les efforts et aussi de contextualiser ces modèles. Donc, merci une fois de plus. C'était un honneur pour moi. J'invite encore les intervenants à rester connectés pour échanger avec les panélistes en live sur le chat. Merci et restez connectés sur les pages du African Sports and Creative Institute et de Sports Africa. Merci. Merci, Maureen. Merci Maureen, merci à tous. Merci Maureen, merci à tous. Ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter l'enregistrement. Les panélistes qui veulent rester, on va promouvoir tout le monde. Donc, ce sera comme si on était tous dans une salle. Et on va échanger pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes. C'est vraiment la conversation ouverte maintenant. On n'est plus dans la formalité du panel. Donc, j'arrête l'enregistrement.